bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. Le meilleur souvenir de la saison, ça restera le match contre Nevers à la maison. On était mal barrés à la mi-temps, ils nous avaient dominés, et puis on s'est resserré dans les vestiaires et on a fait une super deuxième mi-temps et puis on a réussi à l'emporter. Ah, mon meilleur souvenir, c'est justement contre Nevers à la maison, où on fait un premier mi-temps assez compliqué et on sort deuxième mi-temps avec Anen, et du coup on va chercher le match et à la fin on les gagne quoi. C'est notre défense, évidemment on l'a vu dans les deux matchs passants, que nos défenses c'est costaud, on communique bien ensemble et je pense que ça c'est le grand point fort. Bah, la qualité de l'équipe c'est la solidarité qu'on peut avoir et la défense, on lâche rien et aujourd'hui bah, on est quand même assez difficile à passer donc c'est vraiment la force de l'équipe. Pour moi la force de l'équipe est le mental parce qu'on a une grande partie des joueurs ont un grand caractère et une force mentale. Je l'appréhende comme une chance énorme de pouvoir faire une finale à la maison. Et bah, quelque chose qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Quand je vois mes copains se préparer comme ils le font pour jouer des matchs comme ça, je suis plutôt détendu et serein et j'ai totalement confiance en eux pour le match de vendredi. Bah c'est une finale. Hein. Moi toujours j'ai dit un final, il faut le gagner parce que c'est un final. Ça veut dire que voilà, même si tu es en finale, il ne faut pas être content d'être là. Alors du coup personnellement moi on va pour le gagner. Évidemment ça va être difficile parce que voilà, Nevers c'est une équipe de Pro 2, presque de top 14. Alors on va aller quand même pour les gagner et donner tout qu'on peut quoi. Alors je me prends un drapeau catalan qui fait origine à mes racines catalanes et je le pose sur le porte-manteau. Notre rituel, c'était entre les Fidjiens et un peu les copains qui sont un peu croyants, on fait une petite prière et juste pour voilà, calmer l'esprit avant la grande bataille quoi. Alors du coup voilà, c'est notre petit rituel avant le match et voilà quoi. J'essaie de toujours avoir les mêmes principes, de toujours me déplacer avec les mêmes en voiture quand je vais au restaurant, de toujours avoir le même petit chemin pour aller au vestiaire, donc toujours avoir les mêmes habits, donc j'essaie d'avoir le même rituel tout le temps. Bon, en tout cas, déjà juste merci beaucoup pour tout ce que vous faites, c'est vraiment énorme. On représente vraiment toute la Savoie tout entière et on attend que toute la Savoie vienne nous soutenir en espérant qu'on représente bien les valeurs savoyardes vendredi soir et samedi prochain à Nevers. À l'intérieur du terrain, on le sent vraiment et que là, on en aura énormément besoin pour passer contre Nevers. Donc, soyez nombreux et faites du bruit. Voilà, des déplacements tout où on va, vous êtes là, quand on est à la maison, vous êtes derrière nous, ça nous aide énormément. Et on est là, ce qu'on fait, c'est pas que pour nous qu'on le fait, pas que pour les villes, mais bien sûr pour les spectateurs aussi. Et pour ça, je donne un gros merci à tout le monde. Merci. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt.